Salut à tous les amis, c'est RominuDS et cette fois-ci nous sommes repartis pour du Pokémon encore une fois et on est parti pour l'épisode 11. Alors je vous récapitule ce qui s'est passé dans l'épisode 10. Alors on est allé affronter le champion de cette arène, on était avec Starkiller 19 et nous avons battu donc ce champion. Il nous a donné une CT, je ne sais plus ce que c'était, on avait battu son insécateur. On avait eu nos deux évolutions, Rookoops et Crocodile. Et nous voici partis pour la suite de l'aventure. Allez. Oh. Dis-moi quelque chose, petit bonhomme. Est-ce vrai que la Team Rocket est de retour? Quoi? Tu les as battus? Ha! Arrête de mentir. Non, t'es pas un pipoteur, toi. Allez, baston. Tu dépêches. Bon allez, d'entrée de jeu à l'épisode 11, notre rival qui apparaît et vient nous chercher des noises. Ah tiens, vous avez vu le Ventominus là? Je le reconnais, c'est celui de l'épisode 4 ou je sais plus quoi, qu'on avait chopé, qui avait disparu à cause d'une... Ah tiens. Allez, Tornade. Il est devenu quand même pas mal puissant, Rookoops, ça. Ouais, niveau 19. Bon, je vais utiliser un petit peu Crocodile, là, parce que... Nosferapti. Oui, je veux changer. Crocodile, vas-y. C'est pas encore ça qui va me faire peur, ne vous inquiétez pas. Ah, il est beau. J'avais pas bien fait gaffe. Pistolet à eau. Blablabla. C'est notre premier combat avec Crocodile d'ailleurs. Morsure. Aïe. C'est trop mal. Tiens, j'en finis avec griffe pour la peine. Cran. Tu m'as mordu. Ben moi je te griffe. Voilà, ça c'est fait. Et Macronium. Macronium, on va pas risquer. On va quand même prendre. Oh, oups. Et vous, donc vous avez remarqué qu'il l'a fait évoluer son petit Germignon depuis la dernière fois. Mais bon, il reste mauvais quand même. Tornade! Non. Macronium lance protection. La défense de Macronium ennemi... Attendez une seconde. Augmente. Attaque. Tornade. Attendez juste une minute, hop, hop, voilà. Rugissement. Oui, maintenant je n'ai plus la limite de temps, donc je vais pouvoir vous faire des épisodes un peu plus longs. 12, voilà, hop. Pourquoi j'ai dit 12, j'en sais rien. Darkfou a perdu. Ah oui, non mais j'ai mis ça raclé là, il a rien compris. Vilain Pokémon, ouvre bien tes oreilles mon petit gars. T'as gagné parce que mes Pokémon se sont couchés tard. Oui, c'est ça, oui. Les miens, ils sont dopés, ouais, c'est ça, en fait. Je déteste les Minus, moi aussi. Pokémon ou dresseur, c'est du kiff-kiff. Je vais devenir surpuissant et balayer les Minus. Et c'est pareil pour la Team Rocket. Ils seront redoutés parce qu'ils agissent en groupe. Mais un par un, ils sont faibles. Je les déteste tous. Hors de ma vue, petit Minus. Un genou comme toi ne peut rien m'apporter. Allez. Va-t'en, t'es méchant. Mario Montagnard. Ah. Rominus, coucou. C'est Mario. Quel temps dehors. Mon Machoc a l'air impressionnant. J'aimerais te le montrer. Et écoute, j'ai presque attrapé un granivole l'autre jour. J'y étais presque. A plus tard. Bon, on va voir ce qu'il veut. Ça se trouve, il veut un autre combat. Alors attendez, donc on est allé récupérer la noix grume là. Ouais, non, enfin on a dû sûrement le récupérer, mais c'est que depuis la dernière fois que j'ai tourné, ça a dû repousser. Voilà, je fais des bols à partir de noix grume. Décroche dans des arbres et rapporte-les moi. Je te fabriquerai alors des bols. As-tu un noix grume pour moi? Excellent, je vais en faire une balle. Noix grume blanc.
Ça va prendre la journée pour te faire une bolle. Reviens plus tard. Et effectivement, on va revenir dans quelques épisodes. Ah oui, on ira voir Mario après. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme. Encore merci et à bientôt. Sympa, au revoir. Alors, il est où déjà Mario? Il est là-bas, je crois. Ouais, il est là. Alors, qu'est-ce que tu me voulais? Je t'appellerai au cas où. Ok, donc il voulait absolument pas se battre, en fait. J'étais trop fort pour lui, en fait. Je crois que c'est ça. Alors. Bon, bah, continuons. Allons dans la... dans la zone suivante. Un monsieur, je lui parle pas. La vieille, qu'est-ce que tu veux? Le bois est protégé par son gardien. Alors ne fais rien de mal. Gardien? Oh putain, il y a un Pokémon. Alors qui? Oh, un chenipan. Je prends pas. Je vais le prendre et je l'entraînerai en off. Je pense. Pokéball. Allez, vas-y, chope-le. 1, 2, 3. Ouais. Oh non. Ah, c'est pas juste ça, par contre. Chenipan ennemi lance sécrétion. Vitesse de recoupe se diminue. De toute façon, on a toujours l'initiative puisqu'on lance des Pokéballs. Donc. Allez, Appa-ball. Appa-ball, ok. Pokéball. En fait, Appa-ball, faudra que je regarde ce que ça fait parce que... Bon, tant pis, on va l'éliminer. C'est pas important, au pire, j'en choperai un en off, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais... C'était pas forcément obligé, je voulais un Papillusion, mais bon... Si je peux pas en avoir, c'est pas important. Voilà, ça, c'est fait. 37 points d'XP... Et on continue. Donc, un monsieur, qu'est-ce que tu me veux? Oula, mon chef va être super furax. Le canard Tichot qui coupe des arbres pour faire du charbon est parti. Je ne peux pas le chercher dans le bois aux chênes. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Ah. C'est ton problème, mon enfant. Ah, mais c'est pas vrai. Donc je pense que le piaf qu'on voyait en face de nous, c'était le canard Tichot qu'on recherche. Bah tiens, j'ai bien fait de pas le capturer parce que lui, il était plus fort. Bon bref, c'est pas grave, il va mourir aussi. Tornade! Voilà. Je vais reprendre quand même... comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle... Crocodile, voilà. Donc l'œuf, il en est où lui? Il va bientôt éclore, ok, c'est cool. Salut, c'est le Pokémon perdu. Qu'un artichaut, quoi? Ouais, pars pas. Ah oui, attendez. Je crois qu'il faut le... Ah, mince. Un paras. Dommage que j'ai pas l'arcin, là, parce qu'il m'aurait donné un petit champi. Ça m'aurait aidé. Ou pas d'ailleurs. Oh, un chenipan. Ça change pas. Mais bon. Crocodile, go! Attaque pistolet à eau! Points d'XP, c'est bon. Alors attendez, canard Tichot quoi? Oh, un gris acier.
Bon, par contre, le chrysacier, si je le capture, il sera plus proche du pape illusion. Sauf que le problème, c'est qu'il n'aura pas d'attaque. Il aura que armure. Donc, je ne vais pas le capturer. Tant pis, ce n'est pas grave. Salut. Ah, mais... un chenipan encore. Crocodile, go. Pistolet à eau. Je pense que j'aurais dû acheter des repousses, en fait. Parce que là... voilà. Ah, c'est fait. Canard tissu au cou. J'en aurais pas des fois des repousses. Super potion, noix grume blanc, attaque plus, potion. Non, apparemment j'en ai pas. Quoi? Oulala. Ah, excusez-moi, c'était un petit bug. Encore un chenipan. Ça change pas. Ça m'aurait arrangé si c'était un aspicot, parce que bon, comme ça au moins j'aurais une technique d'arvenin. Mais bon, important. Qu'un artichaut quoi. Ah, encore un Pokémon. Un chrysacier sauvage apparaît. Crocodile, go. Pistolet à eau. Blum, blum, blum. On va devoir bientôt se quitter. En plus, parce que je n'avais pas démarré le compteur au début de la vidéo. Alors je ne sais pas à combien j'en suis, mais ce n'est pas important puisque maintenant je n'ai plus la limite de temps. Allez, un repousse. Putain, rappel. Ça me sert à rien, les rappels. Il y a des petits problèmes de lag de temps en temps, quand même. Je sais pas d'où ça vient. Quoi? Voilà. Tu pourrais pas... enfin, je sais pas. Oh, tiens, je savais pas qu'il pouvait faire ça. Bon. Allez, pars. Je suis venu pour te plumer. Voilà, c'est bon, je pense que il est cuit. Quoi? C'est pas le mieux. Ah ben voilà. Ouah, merci beaucoup. Le Pokémon de mon chef n'obéit pas parce que je n'ai pas le bon badge. Allez, c'est sûr, ça aide pas. Mon canard tichot, tu l'as retrouvé pour nous? Sans lui, nous ne pourrions plus couper les arbres pour faire du charbon. Merci, petit. Comment te faire plaisir? Je sais, tiens, prends ça. Rominus reçoit CS1. Rominus remet CS1 dans la truc. C'est la CS coupe. Apprendre un Pokémon pour qu'il... machin, il te faut le badge de la reine des Corsia pour l'utiliser. Je l'ai, merci. Alors, je vous propose que je vais... allez au centre Pokémon et vous laissez là-bas. Et je vais la prendre à... oh, sa belle lettre. Voilà. Hop. Pourquoi ça lag? Bon, bref, c'est important. Hop. Et... bon. C'est pas encore super dangereux. Voilà. Salut, bienvenue au centre de Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui, je veux bien. Voilà. Bon. Ben, c'est sur cette... sur ce soin qu'on va se quitter. Et je vais vous dire à la prochaine, à l'épisode 12. Allez, salut.